Donc salut, je vous retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans la précédente, pour la vidéo All Soul. Je vais commencer par vous présenter les articles que j'ai reçus du site Romwe, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. J'ai commandé trois articles, deux pulls et un collier. Les deux pulls sont arrivés dans des pochettes comme ça. Et le collier par contre est arrivé dans du papier journal. Avec du papier bulle dedans, donc j'ai pas trouvé ça très professionnel. Bon, après c'est du papier journal américain, t'as vu. Mais c'est pas bien quoi. Donc le premier article que j'ai commandé, c'est un pull, comme je l'ai dit, noir comme ça, resserré à la taille et des manches chauve-souris. Je m'attendais pas à avoir des manches chauve-souris, mais bon, ça ne dérange pas plus que ça. Sur le dos, il y a un grand trou qui laisse voir le dos. Voilà, vous voyez ma main. Mon petit doigt. Et sur le devant, toujours plein de clous, en fait. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils soient sur l'épaule, en fait. Alors que là, ils sont juste devant, il n'y en a aucun sur l'épaule. Donc j'étais un peu déçue par rapport à ça, mais c'est pas bien grave. Donc j'avais vu Bleu Marine sur le site. Je vous mettrai le lien, tous les liens des articles que je vais vous montrer dans la barre d'infos. Et quand je l'ai reçu, j'ai vraiment été surprise parce que je m'attendais pas à avoir un noir. Du coup, j'étais un peu déçue par rapport à ça, mais bon, tant pis. Et ce que je voulais dire aussi, c'était que c'est une taille unique. J'ai pas choisi ma taille, il n'y a pas de S, M ou XL ou L, etc. Si vous êtes grande, ne commandez pas celui-là parce qu'il me va. Moi qui suis petite de taille à la base, il ne me va pas. Enfin, il me va trop petit déjà. Parce qu'il est super court. Je sais pas si vous voyez au niveau du torse en fait, du tronc. Enfin. Voilà, donc bref, c'était la petite histoire du pull achetable. Deuxième pull, bon, lui qui m'a un peu moins déçu. Enfin, qui m'a plu, quoi. Donc c'est un pull couleur crème. Avec de grandes croix noires dessus et tout plein de clous encore qui l'entourent. Et il est high low. Et enfin, troisième truc, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas je le trouve super beau. Donc il est assez imposant en fait. C'est un collier doré comme ça. Et le pendentif est comme ça. Sur un joli décolleté. Oh, magnifique. Voilà ce que Romwe m'a envoyé et je les remercie encore pour qu'ils aient accepté la demande de partenariat que j'avais faite. Donc j'ai trouvé chez Pinky, j'étais assez étonnée d'ailleurs parce que Pinky avant c'était mon magasin préféré, mais après mes goûts ont changé et je n'aime plus ce qu'ils font à Pinky. Mais je suis passée chez Pinky pour voir, on sait jamais, et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé une magnifique robe que voici. Donc c'est une robe noire, vraiment simple. Et ce qui fait toute son originalité, je vais y arriver, j'ai tête de cul, c'est son décolleté, enfin c'est le cache-cœur en fait. Et je trouve ça magnifique, ça fait super beau. Portez, vous la verrez sûrement dans mon look. D'ailleurs les vêtements remouillent aussi. Je trouve ça super beau. Franchement, je suis vraiment pas déçue et comme c'était pendant les soldes, je l'ai trouvée soldée. Donc elle était à 20€ à la base et je l'ai payée moins 30%, ce qui m'a fait à 13,99€. Donc c'est pas une réduction de fou, mais même à 20€ je l'aurais achetée parce que je la trouve vraiment vraiment belle. Je suis passée chez Co. Et là-bas je me suis achetée pas grand chose. Vous allez vous en douter sûrement, c'est pour celles qui me connaissent bien maintenant. Je me suis acheté un rouge à lèvres. Et la couleur est comme ça. C'est une sorte de... comment dire, de rouge bordeaux cerise entre les trois, t'as vu. Et je trouve ça, il est vraiment, 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 vraiment beau. Au lieu de 6,90€, je crois, je l'ai payé 5€. Donc c'est pas une réduction de fifou, mais on s'en plaint pas. Ensuite, je suis passée chez Bershka. Et là, j'ai trouvé
un truc magnifique, une jupe, parce que ça fait longtemps que je cherchais une jupe comme ça. Et je suis tombée dessus par hasard chez Bershka, en solde en plus. Voici la bête. Voilà, elle est magnifique, je trouve. J'en avais marre des jupes tubes, tout ce qui était serré et tout. J'avais envie de volant et c'est pile ce qu'il me fallait. En plus, elle est pas trop simple puisqu'il y a des petits, je sais pas si vous voyez, des petits disques argentés dessus et ça donne toute son originalité. Comme je l'ai dit, j'ai été soldée et je n'ai plus d'étiquette. Je crois qu'elle coûtait 20 euros à la base et je l'ai eu. Au début, c'était marqué 10 euros, mais en passant à la caisse. La dame m'a dit 7,99€ s'il vous plaît. Ok, tiens, les voici. Donc j'étais vraiment trop bien, trop contente. Je suis passée récemment et pour la première fois j'ai acheté quelque chose chez Lush. Je pense que c'est un produit que vous connaissez tous maintenant. C'est un shampoing en savon. Et là vous pensez toutes. Pousse plus vite. Voilà, donc c'est un savon dur. Qui pue. Mais c'est pas grave. Rose avec un petit morceau de cannelle dedans. Ça fait longtemps que je l'ai testé, j'en entendais parler, etc. Et donc l'autre jour, grâce ou à cause, je sais pas, d'une amie qui allait qui devait aller chez Lush pour acheter un produit pour les boutons, j'en ai profité pour m'acheter ça. Chez Mango, je me suis acheté un jean. Ça faisait super longtemps que je cherchais un comme ça et puis je l'ai trouvé à 17 euros chez Mango. Parce que chez Mango, les jeans pendant les soldes, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'était pour éviter que vous voyez mes jambes pendant que je parle. Du coup, bah, c'est un jean brut, vraiment tout simple. Il n'a aucun détail particulier. Il est bleu foncé. Chez Zara, on arrive à la fin. J'ai vraiment été dessus quand j'avais utilisé des soldes chez Zara. Mais c'est pas bien grave. Je me suis quand même trouvé quelque chose de très sympa. Donc c'est un pull à manches longues. Enfin, c'est même pas un pull, c'est un t-shirt à manches longues en fait, noir avec plein de petites taches bleues, bordeaux, blanc, etc. Et qui est vraiment 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 beau. 22,95€. Et je l'ai payé 10€. Et enfin, c'est le truc que j'attendais pour pouvoir tourner la vidéo. Parce que je le recevais pas. Mais ça y est, je l'ai reçu. J'ai commandé sur le site Mango, encore. Des merveilles. Et je sais pas si vous savez, mais je suis une fan des chaussures. Voici les chaussures que j'ai commandées. Elles sont trop trop belles. Donc ce sont des petites bottines en daim, velours, oui, plus en daim. En daim, avec un talon de 9,5. 9,5 cm. Et qu'est-ce que je peux dire, c'est un peu cramponné en dessous. Et ça, c'est obligé, vous les verrez dans mon lookbook. Je veux dire, je les adore, voilà. Donc voilà, donc mon haul est enfin terminé. J'espère que mes achats vous auront plu et que vous pourrez les retrouver encore en magasin. Parce que je suis retournée récemment et il n'y a rien, plus rien. Donc je suis désolée pour vous, mais j'attendais vraiment ma commande et puis elle a pris du temps et tout, j'ai eu des problèmes. Bref, c'est pas bien grave. Je vous dis quand même plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.